On essaye de faire émerger justement les freins. Qu'est-ce qui empêche nos assurés de faire la demande de retraite en ligne? Au-delà de la simple démarche informatique, on se bute à d'autres aspects plus psychologiques en fait, parce que ce passage en retraite, c'est pas rien. C'est important de garder la confiance et de la maintenir auprès du public. Cette démarche, elle part du principe que l'usager, entreprise demandeur d'emploi, doit être questionné sur la façon dont on procède en termes de délivrance de services et questionné aussi en termes de résultats par rapport à la performance qui est obtenue par les services. C'est important en fait d'être toujours dans cette dynamique d'amélioration. On est dans un monde qui change, on doit pareil être dans le mouvement et suivre un petit peu tout ça et continuer à nous améliorer et prendre en compte tous ces changements-là.